BioHerbs Cacao, le teint cacao en poudre de première qualité. Avec de l'eau chaude ou du lait, profitez d'un tendre goût de cacao. Avec BioHerbs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes, augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain, propre, bio, sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire, qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. En tant que médecin, je vous conseille de l'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur jaimesociety1@gmail.com. Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses, aux États-Unis, 1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, Boulevard Monk, H4E3H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Regeni, commune de Lemba, et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limite. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir d'être avec vous dans cette grande tribune de début de semaine, lundi 28 novembre 2022. On parle des questions d'actualité dans cette grande tribune de ce jour. Deux grands sujets d'actualité seront donc au menu de cette émission, calendrier électoral 2023, réaliste ou irréaliste. Il y a certains partis politiques qui sont déjà prononcés à ce sujet. Deuxième question, résolution de Luanda, le M23 abdique. Voilà, on va essayer d'entrer en profondeur, de suivre la réaction du M23 et essayer de commenter, voir comment cette question peut se terminer. Entre-temps, il y a aussi des questions d'actualité qui sont en dehors de ces deux sujets. Il y a aussi des questions d'actualité qui sont sous la table. Mais avant d'en parler, nous allons d'abord présenter les personnes qui nous font honneur aujourd'hui. Maître Freddy Mwamba, qui nous fait une nouvelle fois honneur d'être avec nous. Maître, bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour mon frère Dan et bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent de partout à travers le monde. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ parce que la Bible déclare que c'est lui qui croit à moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture, c'est Jean 7, 38. Et j'espère que le Seigneur qui nous a donné les soufflets de vie va continuer à nous bénir pour que les choses aillent pour le mieux. Et j'en profite pour saluer aussi tous les camarades de mon parti, de mon regroupement plutôt, AFDCA, et notre autorité morale, le professeur Modeste Bahati Nkwebo, ainsi que, bien sûr, mon co-débatteur qui est avec moi sur ces plateaux. Et je félicite aussi tous ceux qui ont été élevés, notamment mon frère Christian Bossembe, qui a été désigné comme président du CESAC. Je les félicite. Je félicite aussi tous les camarades même de mon parti qui ont été nommés aussi. Et donc, que le Seigneur leur donne l'intelligence et la sagesse pour qu'ils mènent à bien les fonctions qui leur ont été confiées. Merci beaucoup, Maître Freddy Mwamba. Désiré Chimbekoy qui fait ses premiers pas chez nous dans la grande tribune. Vous êtes porte-parole du parti APPS, un parti membre de l'USN. Bonjour Désiré. Bonjour Dan, bonjour à mon co-débatteur de ce jour, bonjour à tous les téléspectateurs de Congo Best Télévision. Je
profite de ce cadre pour saluer tous les téléspectateurs dans la généralité, mais particulièrement les camarades de mon parti, de l'Alliance Populaire pour le Social, et aussi adresser mes fières chandelles à tous ceux qui ont été investis au niveau de ces sacs et dans différentes entreprises de la place, particulièrement le DG de Congo Best Télévision, que nous admirons tant et dont les certitudes intellectuelles ne font l'ombre d'aucun doute. Nous espérons que ce secteur de médias va être assaini avec cette nouvelle équipe et nous souhaitons une excellente semaine à tous les Congolais, particulièrement ceux qui sont en train de vivre ce spectacle désolant à l'est de la RDC. Merci. C'est quoi la PPS qui est le président et ça fait combien de temps que ce parti existe? L'Alliance Populaire pour le Social est une partie qui est née dans l'Union Sacrée parce que, étant née dans l'Union Sacrée, nous sommes dissidents de l'ancien parti qui s'appelle Envol. Envol. Alors l'autorité morale, Séraphine Kiloubou Koutouna, qui est actuellement vice-ministre de la Défense nationale et ancien combattant. Ah, okay. Donc ce parti, c'est un parti qui travaille dans les secteurs du social. C'est le parti qui a fait bras à l'Union Sacrée. Vous êtes ceux qui sont partis quand Sissanga a quitté l'USN, a pris ses distances avec l'USN, avec le président Tshisekedi. Ouais, nous sommes ceux... Parce que Sissanga demandait, c'est que le ministre aussi puisse quitter l'USN quand il a pris ses distances aussi. C'est vous donc qui avez créé ce parti-là. Mais nous avons créé ce parti, voyez-vous, nous sommes restés à l'Union Sacrée, nous ne sommes pas partis. Parce que le parti est venu à l'Union Sacrée et quand nous sommes venus, il y a des questions qui se sont posées. C'est le quota de Sissanga, vous devez partir, le quota de l'envol. Oui, le quota de l'alternance pour la République, qui est un regroupement politique et qui a aussi... Non, il y a plusieurs partis au sein de l'alliance de l'alternance pour la République et aussi au niveau de notre formation, de notre ancienne formation politique, l'envol, les mécanismes de prise de décision qui ont prévalu à cette sortie de l'Union Sacrée n'ont pas été respectés. Violé. Donc je pense que la démocratie que nous voulons devrait commencer au niveau de partis politiques parce que les constats que j'ai toujours fait, c'est que nos partis politiques ne sont pas démocratiques et du coup, les institutions ne peuvent pas l'être. Nous devons commencer à enseigner la démocratie au niveau de la base. La base de la gouvernance, ce sont les partis politiques. Des questions d'actualité, le président de la République a signé une ordonnance depuis le samedi dernier où des mandataires ont été nommés, notamment des bourgmestres et des bourgmestres adjoints dans plusieurs villes du pays. Il y a des jeunes qui ont fait leur entrée dans la fonction publique. Nouvel élan qualifie le calendrier électoral de la CENI d'irréaliste et accuse la CENI de préparer la fraude. Jean-Pierre Bemba appelle les jeunes à s'enrôler dans l'armée. Mini-sommet de Luanda le 23 se dit prêt à observer un cessez-le-feu mais refusent de quitter les zones occupées. Ils veulent un dialogue avec le gouvernement congolais et veulent rencontrer Uhuru Kenyatta, le facilitateur de l'EAC. Toujours calendrier électoral, Denis Kadima, le glissement ne fait pas partie de notre vocabulaire. Avant de parler de ces défis que la CENI a relevés avant la mise en œuvre effective de ce calendrier électoral. Avant que nous abordions nos deux sujets d'actu, est-ce que vous avez une question d'actualité que vous souhaiterez commenter parmi les sujets que nous venons d'évoquer tantôt là? Bon, j'aimerais d'abord dire quelque chose parce qu'il y a des gens qui pensent que après le communiqué qui a été fait par les sénateurs au niveau de l'Assemblée, Parlement, au niveau du Sénat, les sénateurs ont dit qu'on devait se retirer de la francophonie, alors qu'il s'agit en fait d'un retrait momentané. Ils ont parlé de la suspension de la République démocratique du Congo au niveau de la francophonie et cela a été motivé d'abord par le fait que vous savez vous-même que la francophonie est dirigée aujourd'hui par une dame qui est en fait hostile même à la République démocratique du Congo parce qu'elle a démontré par son agir, par sa façon de réagir lorsqu'on lui a posé la question de savoir comment elle appréciait la situation de la partie orientale de notre pays. Elle a dit que les Rwandais étaient en insécurité, qu'il y avait des groupes armés le long de notre frontière qui menaçaient la sécurité du Rwanda et tout cela. Donc vous comprenez plus vite lorsque vous écoutez la dame, vous comprenez qu'elle était jugée partie. Alors que lorsque vous occupez la tête d'une organisation comme celle-là, elle devait pouvoir
faire preuve de beaucoup de circonspection. Mais elle ne l'a pas fait. Elle s'est mise à faire des déclarations qui ne tiennent pas la route. C'est comme ça qu'en réalité, on devra se retirer aussi de cette organisation. Mais il faudra aussi que nous puissions nous dire aussi la vérité en face. Il est un fait qu'aujourd'hui, la langue anglaise a quand même aussi pris les dessus sur le français. Si vous quittez la République démocratique du Congo, vous allez dans n'importe quel pays au monde, vous allez vous rendre plus vite compte que c'est le français et c'est l'anglais plutôt qui est parlé là-bas. Si vous parlez en anglais, on vous écoute. Si vous parlez en français, on ne vous écoute pas facilement. Donc, la langue d'affaires aujourd'hui, surtout pour les entrepreneurs et les autres, même pas pour les entrepreneurs, avec les nouvelles technologies, c'est l'évolution de la technologie, c'est l'anglais, en fait. Et donc, c'est important que nous puissions aussi nous tourner vers les Commonwealth, ça c'est pas une mauvaise chose. De la francophonie, on imagine la madame Mushikiwabo venir tenir un discours ici, un discours d'ouverture de ces... Bon, je sais cela, nous attendons, on verra comment elle va se comporter lorsqu'elle va venir en République démocratique du Congo, jusqu'à preuve du contraire. Nous n'avons pas quitté, on est encore là, nous allons organiser les Jeux de la francophonie. Les chefs de l'État a promis à ce qu'il ferait tout pour que ces Jeux-là soient organisés dans ce pays. Et j'espère que lorsque ça sera organisé, la dame va prendre la mesure de la situation pour que, quand elle va venir ici, qu'elle ne puisse pas tenir n'importe quel discours. Je l'espère bien. D'accord, on va évoluer. Donc il y a cela, il y a aussi une autre précision que j'aimerais apporter en rapport avec la résolution qui a été prise au niveau de Luanda. J'entends de plus en plus les gens parler d'une zone tampon. Mais là-bas, on n'a pas parlé de la zone tampon. Il y avait une ébauche qui avait circulé dans les réseaux sociaux, on parlait de la zone tampon. Mais lorsque les communiqués ou bien les documents finaux sont sortis avec les signatures des chefs d'État, il n'y avait pas un endroit où on avait préconisé les zones tampons. On a plus parlé du cantonnement des rebelles qui devaient revenir à leur position initiale, dans leur pristine état. L'espace qu'occupe aujourd'hui le M23 sera occupé par la force de l'EAC. Non, mais ce que les gens doivent comprendre, c'est que cette force régionale ne va pas évoluer en solo. Ce sera des opérations conjointes qu'ils feront avec nos forces armées. Et ces opérations consistent à quoi? Consistent à désarmer, en fait. Les rebelles. On va désarmer les rebelles de telle sorte qu'ils puissent, qu'on puisse les encourager à pouvoir favoriser une réinsertion sociale de ces rebelles. Et donc, ça sera avec nos forces armées. Ils ne seront pas seuls comme les gens aiment à le dire souvent ici. Merci nous beaucoup. Nous l'écoutons dans plusieurs médias. Voilà, c'est ça. Un biscuit à faire? Bon, non, pas un biscuit. Je pense que la question est extrêmement délicate. Je crois que cette mesure de prise, la décision qui a été prise au niveau de Luanda, ça frôle de l'hypocrisie. Même quand mon frère dit que ça n'a pas été clairement dit, que cela devait devenir une zone tampon. Mais quand vous regardez l'état de ce communiqué, vous vous rendez compte que ce n'est pas ce que nous attendions. Nous nous voulons en ce jour. Parce qu'il est convaincu. Il y a un rapport aujourd'hui qui a été rendu public par les Nations Unies qui certifie qu'il y a une agression dont le Rwanda est participant ici en RDC. Au-delà du Rwanda, il y a aussi l'Ouganda. Vous savez, ce que nous avons toujours voulu dire au président de la République, c'est de comprendre que toutes les manœuvres qui sont aujourd'hui organisées par la communauté internationale participent à la situation précaire ici en RDC. Qu'est-ce qui ne vous arrange pas dans ces résolutions? Il n'y a rien qui nous arrange dans ces résolutions. Rien parce ne vous que arrange. Rien, le cessez-le-feu rien, ne vous arrange rien, pas. Le cessez-le-feu, c'est tout simplement une déclaration hypocrite. Hypocrite pourquoi? Mais M23 a hypocrite, accepté de cesser le hypocrite, feu hypocrite. À condition de négocier avec Kinshasa. Mais cette négociation-là, nous l'avons refusée. Et je pense qu'il faut encourager le gouvernement à rester dans cet état de fait. Parce que non, mais la communauté internationale insiste pour que Kinshasa négocie. Mais c'est cette communauté internationale qui donne l'impression d'une hypocrisie vis-à-vis de la RDC. Parce que en droit international, et même si vous regardez avec pleine attention ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine, vous allez vous rendre compte que les États qui se comportent de manière belliqueuse dans les théâtres des nations sont d'office sanctionnés.
Mais ici, nous avons un rapport des Nations Unies qui est net sur le Rwanda. Alors, donc, ce que nous voulons aujourd'hui, c'est que l'État rwandais soit condamné par la communauté internationale. Si l'État rwandais, la communauté internationale ne condamne pas l'État rwandais, nous allons considérer tout ce qui est fait au niveau de la communauté internationale comme état de l'endormissement pur et simple. Demandons donc au président de la République, chef de l'État, de ne compter que sur les forces armées de la République démocratique du Congo, qui ont déjà démontré une preuve d'efficacité. Vous savez, je dois vous dire une chose. Notre armée fait face à trois armées régulières. L'armée rwandaise, l'armée ougandaise et les groupes armés. Mais si nous étions une armée faible, nous n'allions pas aujourd'hui résister vis-à-vis de ce qui se passe à l'est de la RDC. Donc, le président de la République doit mettre le moyen, comme on l'a fait avec l'actuel budget, pour que nous puissions compter sur nous-mêmes pour mettre fin à cette situation précaire. Calendrier électoral, réaliste ou irréaliste, vous le savez, le week-end, le président de cette institution a publié le calendrier électoral des élections qui vont se tenir en 2023 et tout le processus qui vont commencer incessamment, notamment par l'enrôlement des électeurs. Voilà, la présidentielle aura lieu en décembre 2023, l'investiture du prochain président, c'est en 2024, en janvier. Alors, la même CENI a évoqué quelques défis qui sont censés être relevés avant, donc, pour la mise en œuvre de ce calendrier. Voilà, la CENI parle donc notamment des défis financiers, qu'il faut garantir son autonomie financière et donc son indépendance pour par la suite des décaissements pour les opérations. Deuxièmement, le dispositif légal devra être complété, les dispositifs juridiques et légaux, avec la loi portant répartition des sièges. Autre défi, le transport de base, tels que les infrastructures routières, aériennes, ferroviaires et fluviales. Faute de temps, la majorité du matériel électoral va être acheminée par voie aérienne, avec pour conséquence une augmentation exponentielle des coûts. Là, on parle encore des défis financiers. Troisièmement, on va s'arrêter là et puis on va poursuivre par la suite. Maître Freddy Mamba, votre réaction, vous avez suivi Kadima le week-end. Comment trouvez-vous ce calendrier? Réaliste ou irréaliste? Bon, avant de continuer, compte tenu de la délicatesse de la question en rapport avec les élections, n'est-ce pas, la sécurité dans la partie orientale de notre pays. C'est notre deuxième thématique. Permettez-moi de revenir. Ah, c'est la deuxième thématique. Comme c'est la deuxième thématique, je pense que il n'y a pas de problème. Nous allons y revenir. Bon, ce que je dirais en rapport avec l'organisation des élections, c'est que je reviens sur ce que j'ai l'habitude de dire. Que le gouvernement a rassuré plusieurs fois que les élections devaient être organisées dans les délais constitutionnels, en temps et en heure. Et je crois que tout le monde attendait la publication du calendrier électoral, parce qu'à la différence de la feuille de route, le calendrier électoral apporte toutes les précisions nécessaires. Oui. Sur le plan chronologique, nous avons un chronogramme en fait précis sur la date à laquelle, au moins aujourd'hui, nous savons que les élections vont avoir lieu le 20 décembre, ce qui est vraiment un bond en avant à rapport avec ce qui apparaissait comme étant une chose qui était, une situation qui était si consubstantielle à la volonté politique. Aujourd'hui, le président ou le gouvernement vient de démontrer qu'il fait tout pour que nous ayons en fait ces élections-là et qu'il n'y aura rien qui va empêcher que nous puissions avoir ces élections dans les délais. Les contingences, c'est tout à fait normal qu'il y ait des contingences, parce que les impondérables ne peuvent jamais manquer dans la vie, parce que tout simplement, nous sommes des hommes, et étant des hommes, tous les hommes sont perfectibles. Il y a aussi des cas fortuits, des cas qui ne sont pas liés à notre... des cas de force majeure sont là, des cas fortuits. Il y a beaucoup de circonstances qui peuvent faire en sorte que les choses ne se passent pas de la manière dont nous nous attendons. Mais ce n'est pas grave. L'important, c'est ce signal qui a été envoyé par la CENI pour montrer aux acteurs politiques qui sont appelés justement à s'activer tous azimuts pour participer justement à ces élections qui vont avoir lieu dans les délais constitutionnels. Le dépassement de ce délai fixé par la Constitution peut également être fait
compte tenu des cas fortuits qui peuvent également se poser, parce que la question financière aussi, c'est une question importante. Quand Kadima parle d'augmentation exponentielle des coûts, parce que les infrastructures posent problème, tous les matériels doivent être transportés par voie aérienne. Il avait commencé par sonner l'alarme, je pense, ça fait des lustres qu'il a commencé par sonner l'alarme pour dire que s'il faut qu'il ait des moyens en retard, à ce moment-là, le gouvernement sera obligé de ne pas décaisser ce que lui va demander, en temps, tout ce que la CENI peut demander en temps normal, et à ce moment-là, on sera obligé de peut-être décupler les dépenses, d'augmenter davantage, de multiplier les dépenses de telle sorte que ça soit à ce moment-là adapté aux contraintes qui vont se présenter à eux à ce moment-là. Donc ça signifie que... On peut se dire que s'il y a eu de l'argent augmentation qui n'est pas sorti... Voilà, c'est cela. Il le disait depuis longtemps. Ce qui est prévu pour dire que doit normalement être doublé. Parce qu'à ce moment-là, il faut comprimer, non? Il faut comprimer. Maintenant, pour comprimer, ça nécessite des coûts. Ça veut dire que nous sommes dans un pays où il y a un problème d'interconnexion. Tant que les provinces ne sont pas interconnectées et il y a des endroits qui sont enclavés, à ce moment-là, ils seront obligés d'utiliser, par exemple, des hélicoptères, parfois des hélicoptères loués, parce que vous n'allez pas me dire ici que les hélicoptères de la MONUSCO suffiront pour tout. Même s'il faut louer les hélicoptères de l'armée, ça va nécessiter prendre les hélicoptères de l'armée, de la MONUSCO. Bon, la MONUSCO peut nous aider et ce n'est pas suffisant pour que nous puissions en fait faire en sorte que la logistique nécessaire soit ventilée partout sur l'étendue de la République. Donc, nous aurons besoin de carburant et autres. Tout ça, ça nécessite beaucoup de moyens qu'il faut mettre à la disposition de la CENI pour que les élections auront lieu. Et donc, à part ce défi, sécuritaire, parlant de quelques parties du territoire national qui sont encore insécurisées. Ce qui est tout à fait normal parce que Denis Kadima a relevé. Ce qui est tout à fait normal parce que on a la partie il ne faudra pas que nous puissions nous voiler la face. Il y a la partie est de notre pays qui ne va pas s'en poser problème. Vous avez des rebelles, des terroristes qui sont là, les M23 qui sont là. Et je crois qu'il y a des efforts qui sont faits par le gouvernement pour que cette situation soit décantée avant qu'on arrive aux élections. On se pose souvent cette question sous les plateaux. 2018, l'Est est parti, une partie de l'Est n'a pas voté, notamment de l'Ouest aussi. En tout cas, c'est pratiquement le redit. On se dit, est-ce que on peut copier ce qui s'est passé en 2018, en 2023, s'il n'y a pas solution avant la fin du mandat du président? Moi, je pense qu'à ce stade, nous ne pouvons pas jouer les Cassandres pour dire que les choses ne vont pas marcher. Je pense que ce que nous souhaitons tous, c'est qu'il n'y ait pas la réédition de ce qui s'est passé dans les temps. Et cette fois-ci, il faudra que les choses évoluent. Je pense que le gouvernement a pris conscience de la délicatesse de la situation, a pris la mesure de la délicatesse de la situation pour que cette fois-ci, on permette à tous les compatriotes qui sont dans les coins et recoins de notre République d'accomplir leurs devoirs civiques, d'aller voter. Et je crois que toutes les négociations, vous avez parlé, je crois qu'on va y revenir. Ça ne risque bien pas d'asphyxier un peu le gouvernement parce que la guerre est coûteuse, les élections aussi sont coûteuses. Ça ne risque pas un peu de mettre un peu en mal le gouvernement dans le décaissement? Il faut avoir, je l'ai toujours dit, je crois dans d'autres émissions, sur d'autres plateaux, qu'il faut avoir une finesse patriotique pour comprendre, pour arriver véritablement à serrer les priorités. Mais les Congolais, nous n'avons pas encore atteint ces seuils-là pour qu'à ce niveau, nous puissions comprendre qu'il faudra que nous puissions d'abord avoir à la bonne, comme on dit, c'est-à-dire favoriser, par exemple, la sécurité plutôt que les élections. Il faut avoir une certaine finesse d'esprit pour y arriver. Mais parce que nous n'avons pas encore atteint ce niveau, nous sommes obligés de faire avec. C'est-à-dire que de déployer beaucoup de dépenses, de faire beaucoup de dépenses à ce qui concerne les élections et de relever aussi les défis sécuritaires, d'aller avec les deux à la fois pour, n'est-ce pas, arriver véritablement à assouvir les appétences de tous les acteurs politiques, surtout les acteurs politiques de l'opposition qui tiennent à tout prix à voir les élections, alors qu'on devait comprendre que pour l'instant, nous devions d'abord nous battre bec et ongles pour qu'il y ait d'abord restauration de la paix sur toute l'étendue de la République. Sommes-nous à mesure de faire bloc
de ce point de vue-là, de faire front commun pour que nous puissions avoir d'abord des électeurs, d'abord la sécurité, nous puissions d'abord avoir la paix avant les élections. Je ne crois pas. Je vous repasse ta parole. Je vous repasse ta parole incessamment. Monsieur. Monsieur Chimbekoy, au Désiré, je vous pose la même question au regard des défis que j'ai présentés, que la CENI plutôt a présenté au public. Est-ce que ce calendrier est réaliste? D'abord, Dan, il faut dire que ce calendrier reste réaliste parce que les élections sont un processus. Et dans ce processus, nous sommes passés les plusieurs étapes. La première étape était au niveau de choix des animateurs. Après, c'était suivi la promulgation, ce choix qui s'est fait en retard. La promulgation de la loi organique portant organisation, organisation et fonctionnement de la CENI. De là, nous sommes venus au moment de la loi électorale. De la loi électorale, c'était la feuille de route. Il y a la loi de sur la feuille de route. Répartition des sièges. C'était la. Non, je vous cite les étapes que nous avons, les étapes qui sont déjà franchies. C'est, je crois, à peu près 6 étapes. De là, nous sommes partis au niveau de la cartographie. De la cartographie, aujourd'hui, nous sommes au calendrier électoral. Alors, entre les étapes qui ne sont pas encore franchies et les étapes qui sont déjà franchies, vous allez comprendre que les étapes franchies valent mieux. Ce qui veut dire que le calendrier est réaliste. Mais maintenant, en venons-en au niveau des défis, parce qu'il y a cette question des défis légaux, les défis sécuritaires, les défis financiers, défis de transport, par rapport du matériel. Par rapport aux défis financiers, vous allez comprendre que sur un budget total de 1 milliard de dollars américains, au jour d'aujourd'hui, le gouvernement a déjà décaissé 400 millions de dollars. C'est à peu presque la moitié du budget global qui a été sollicité par la CENI. Ce qui ne veut pas dire, ce qui veut clairement dire que le gouvernement qui a cette responsabilité de financer les élections s'engage à bras le corps par rapport à cette question. Et de l'autre côté, quand vous évoquez des défis sécuritaires, c'est ce que nous souhaitons. Il y a la question exponentielle. Denis Kadima était clair. Mais le transport des kits électoraux va se faire essentiellement ou uniquement par voie aérienne et par voie des conséquences. Une augmentation exponentielle des coûts. Ça veut dire que le gouvernement doit mettre la main à la poche. Mais Dan, ce n'est pas au gouvernement Samaloukon que vous apprenez la question financière, parce que c'est un gouvernement qui a déjà démontré des capacités de mobilisation des recettes que nous ne pouvons pas comparer avec d'autres gouvernements, ce qui veut dire... Je ne suis pas contre vous, monsieur. Non, mais je vous fais voir... les priorités qui sont aussi dans d'autres secteurs. Les élections constituent aussi une priorité de priorité parce que c'est une obligation. Une priorité parce que c'est une obligation. C'est une priorité par rapport au social. C'est une obligation. C'est une priorité par rapport à... notamment à la... C'est une obligation constitutionnelle. Qui n'est pas une obligation constitutionnelle. Une obligation constitutionnelle, donc c'est une imposition de par la loi fondamentale. Ce n'est pas par question de volonté que nous allons organiser les élections, mais c'est parce que la Constitution nous oblige à cela. Et le président de la République, comme respectueux de la Constitution, ne va pas s'en passer de cette question. C'est pourquoi je vous fais voir que le gouvernement s'active à financer ces élections. Et au jour d'aujourd'hui, il a déjà financé une grande partie qui a été demandé dans le cadre de ces budgets. Même quand vous parlez des défis légaux, vous allez comprendre que par rapport à ce que nous avons fait comme défi et ce qui reste, tout ce qui a été fait l'emporte. Ce que l'opposition et tous les acteurs parties prenantes aux élections doivent comprendre aujourd'hui, c'est que nous devons nous préparer pour aller aux élections. Arrêter de tirer des sirènes, de combattre le calendrier ce électoral calendrier et de combattre... la fraude, ça dit nouvel élan d'Adolphe Mouzito. Ce calendrier est une préparation à la fraude. Vous savez ce que vous devez comprendre de toute l'opposition par rapport à cette avancée significative par la CENI, c'est qu'ils s'attendaient à un dialogue. Et il y a même des acteurs politiques qui avaient émis cette idée sans honte, qu'ils voulaient profiter de cette situation sécuritaire pour imposer un dialogue. Ils étaient convaincus que ce dialogue aurait lieu. Malheureusement, donc, la sortie n'a pas peur des élections. Non, l'Union sacrée se prépare en fonction. C'est pourquoi je vous cite. Alors, eux, ils se préparaient à pouvoir venir négocier. Et parce qu'ils se préparaient à négocier, vous savez, c'était quoi la Libye? On n'aura pas d'élection parce qu'il n'y a pas de calendrier électoral. Et même Martin Fayoul l'a dit dernièrement. Aujourd'hui que nous avons un calendrier électoral,
il refute ce calendrier électoral. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une volonté manifeste de ne pas aller aux élections, de passer par des tapis verts, afin de tirer quelque chose. C'est que le président de la République ne s'inscrit pas, il veut aller aux élections et dans les délais constitutionnels. Vous êtes Je pense qu'au jour d'aujourd'hui... Vous êtes sacré de la nation, que malgré... si on regarde bien votre, votre bilan, je ne sais pas s'il est bon ou il est mauvais, vous êtes sûr que vous allez l'emporter haut la main. Le bilan déjà, il est... Au niveau provincial, au niveau national, provincial et à tous les niveaux, nous sommes un régime qui a mieux fait dans un temps record. Il est vrai que le pays était dans un gouffre. Et parce que nous Quel discours allez-vous tenir à votre électorat? Non, mais le discours, il est là. Président de la République. Nous avons un discours, nous avons un discours par rapport à ce qui concerne, par exemple, la mobilisation de recettes. Nous sommes passés d'un budget de 3,9 milliards de dollars aujourd'hui à un budget de plus de 10 milliards de dollars. Que bouffent les institutions. Non seulement consommés par les institutions, nous avons fait une augmentation de 45% dans la rémunération de fonctionnaires de l'État, dans la généralité. De cela, nous avons augmenté les salaires de magistrats. Nous sommes passés de cela. On a aligné plus de 2000 médecins à la prime de risque. Ce sont des réalisations qui sont faites par le gouvernement. Et les enseignants qui avaient un salaire de 100 000 francs congolais sont aujourd'hui à 380 000 francs congolais. Ce n'est pas la moindre chose qu'on peut faire. Les enfants qui n'étaient pas à l'école parce qu'ils n'avaient pas de moyens étudient aujourd'hui. Cela n'est pas moindre à travers toute la République. Donc on ne peut pas nous reprocher la question de bilan aujourd'hui. Il est vrai que notre pays a été enterré et les efforts que nous avons faits pour le déterrer valent plus que tout ce qui a été fait durant les 60 dernières années. Vous avez un discours à tenir, monsieur Chimbekoy Désiré. Maître Freddy Mwamba, la question des élections, justement. Je ne vais pas revenir sur la même question que je vous ai posée. 2023, c'est à nos portes. Mais on parlait de la question de la priorité. Est-ce que cette priorité, les élections sont vraiment une priorité pour le Congo, compte tenu de la situation que nous vivons, du point de vue social, du point de vue économique? Voilà, c'est une question qui est très fondamentale, qui est importante. Parce qu'on veut... Il ne faut pas que l'opinion ait l'impression que prima facie, le gouvernement veut, n'est-ce pas, glisser. Que nous avons la guerre dans la partie orientale de notre pays, alors que cela est une obligation constitutionnelle. Attention, je dis qu'il faut aller avec beaucoup de prudence lorsque nous voulons aborder ces deux questions, que ce soit la question sécuritaire, que ce soit la question des élections. Moi, je suis le vice-porte-parole du Rwanda en train de parler des élections en République démocratique du Congo, en train de dire que il constate que les dirigeants n'ont pas la volonté d'organiser les élections. C'est pourquoi je dis qu'il ne faut pas prendre cela à la légère. C'est-à-dire que les élections sont devenues comme quelque chose qui va nous faire perdre le temps. Au lieu que nous puissions nous concentrer à l'essentiel, c'est là que je dis qu'il faudra que nous puissions avoir les deux pierres sur terre et arriver véritablement... il faut avoir une étoffe, comme je l'ai dit, il faut avoir une étoffe républicaine pour arriver à cerner les contours de cette affaire en rapport avec les élections et en comparaison avec, n'est-ce pas, la situation sécuritaire dans la partie orientale de notre pays. Admettons qu'on se retrouve aujourd'hui dans une situation c'est une combine. Non, je ne souhaite pas cela. On se retrouve dans une situation où la partie orientale de notre pays est occupée par les... nous allons aux élections ou bien nous n'allons pas aux élections. Donc nous allons aux élections sans Goma ou bien nous allons aux élections. On l'a fait en 2018. C'est pourquoi je dis qu'il ne faut pas qu'il y ait une réédition de ce qui s'est passé en 2018. C'était une dérive sérieuse. Vous êtes au pouvoir. Ce qui s'est passé en 2018. C'est pourquoi je dis que il ne faudra pas qu'on se laisse, n'est-ce pas, omnibuler par le fait qu'on s'est dit non, nous avons une contrainte. N'est-ce pas, qui est constitutionnel, pour dire nous devons à tout prix respecter la Constitution, parce que c'est la Constitution qui prévoit. Moi, je ne vois personne qui est contre le fait que les élections doivent être organisées en temps et en heure, et conformément à ce que
exige notre constitution. C'est quoi la crainte? Mais je dis ceci. Qu'est-ce que vous craignez? Je dis ceci, nous devons développer aussi notre réflexion et nous dire, parce que vous avez parlé même des 1 milliard. Mmh. Regardez par exemple, prenons les 1 milliard là, mettons-les dans les sociales et autres choses. Combien de problèmes nous allons résoudre dans ces pays? Prenons les 1 milliard là, mettons ça dans l'armée. Combien de problèmes nous avons? Non, je ne dis pas que c'est ce que le gouvernement, c'est les schémas dans lesquels le gouvernement s'est inscrit, mais c'est une réflexion que je viens d'ouvrir, qui peut ne pas être approuvée par tout le monde, mais nous devons à un certain moment n'est pas d'accord comprendre. Il n'est pas d'accord avec vous parce qu'il comprendre dit que c'est une question constitutionnelle. C'est une question. On risque de violer la constitution. C'est une question constitutionnelle. Je ne refuse pas, je ne dis pas qu'il faut violer la constitution. Mais je dis, nous devons aussi réfléchir et nous dire, lorsque la communauté internationale insiste que vous devez organiser des élections, dans le même temps, la communauté internationale estime qu'il faut un leadership. Il faut un leadership. Parce que le Rwanda lie la situation de l'insécurité dans la partie orientale de notre pays au problème du leadership. Fayulu nous dit que c'est une combine entre Kagame. C'est un problème de leadership. Non, je n'entre pas d'abord dans Fayulu parce que Fayulu, lui, c'est tout à fait normal. C'est un opposant. Il ne peut qu'être sous l'emprise d'une lecture, d'une grille de lecture pessimiste de la situation dans le pays. Mais je parle d'abord de nos voisins. De nos voisins qui lient la situation de l'insécurité au problème du leadership. Ce qui fait que nous devons faire très attention. Il lie la situation de l'insécurité au problème du leadership. Vous avez ici Fayulu aussi en interne qui vous dit que vous êtes incompétent, vous êtes irresponsable et tout ça. Lorsque j'essaie d'analyser les deux, je pense que ça rime ensemble. Ils parlent pratiquement le même langage que les Rwandais. Même s'il veut nous maquiller les choses en faisant voir que c'est pas Kagame et Fayulu parlent tous le même langage. Donc c'est comme si le président actuel est en train de gêner. Et le Rwanda, alors il faut utiliser en interne des personnes pour mettre mal à l'aise le pouvoir en place qui a en fait des intentions de pouvoir faire en sorte que les lignes bougent à l'intérieur de notre pays. Mmh. C'est pourquoi je dis, je soumets la réflexion à tous les Congolais. Nous avons besoin des élections, on ne refuse pas. Mais nous avons besoin aussi de nous développer. Nous avons besoin d'avoir une armée forte. Parce que nous allons parler, je crois que je vais rentrer dans les détails lorsque nous allons aborder la deuxième thématique. D'accord. Parce que toutes ces questions sont des questions qui relèvent du pouvoir régalien de l'État. Que ce soit l'élection, que ce soit en fait, les questions sécuritaires dans la partie orientale de notre pays. Voilà, c'est cela. Dit Mwamba, nous comprenons votre questionnement, votre interrogation. Entre élections et les priorités que nous avons, d'autres priorités que nous avons, notamment la réforme de l'armée, la sécurité, le social des Congolais, est-ce qu'il n'y a pas moyen de réfléchir sur cette question? Qu'est-ce qu'il faut prioriser? Est-ce qu'on doit avoir des élections pour les élections? Est-ce que ces élections-là doivent être aussi importantes? Parce que la finalité, c'est le développement. C'est ça la question. J'ai ajouté, je vous ai dit du porte-parole rwandais, qui a insisté, qu'il commence à écouter ici, que les gens commencent à dire qu'il n'y aura pas élection. Très bien. Donc, lui veut qu'il y ait seulement élection, il veut élection, parce qu'il sait pourquoi il le dit. D'accord. Il sait pourquoi il insiste sur ça. Okay. C'est là où je dis que nous devons faire très attention avec cette question des élections. D'accord. On va prendre la deuxième thématique. Je pense qu'on fait deux tours de table tous les deux. Deux tours de table tous les deux sur la question des élections. Je prends maintenant la question des résolutions de Luanda. Les M23 abdiquent. L'M23 est d'accord d'un cessez-le-feu, mais ils ne veulent pas libérer l'espace occupé jusqu'à ce jour. Ils posent aussi des conditions. Votre réaction? Bon, au fait, ce que le M23 pose comme condition, c'est le Rwanda, en réalité, qui pose ces conditions. Mais vous savez pourquoi Félix Tshisekedi n'est pas apprécié? Il n'est pas précis. Il n'est pas apprécié. Par qui? D'abord, sur le plan interne. Il n'est pas apprécié parce que les Congolais n'apprécient pas le président de la République. Au niveau de la classe politique, je parle de l'opposition. Quand vous mettez les opposants sont traqués, emprisonnés, comment on va vous apprécier, monsieur Désiré? Au jour d'aujourd'hui, il faut reconnaître que l'état de droit favorise des droits, il favorise des libertés, mais il n'exonère point les uns et les autres devant leurs responsabilités pénales. D'accord. Revenez à votre argumentaire. Si quelqu'un insulte et qu'il est arrêté, cela n'a rien à voir avec le président de la République. Mais il n'est pas apprécié ici parce que les gens s'attendaient à coup férir qu'il y ait un dialogue et ils se sont habitués à cette mafia. J'appelle cela comme une mafia politique.
que nous avons enregistré depuis de longues années, que chaque fois qu'il y a une petite situation, on utilise cette situation-là pour monter dans les institutions. Et depuis qu'il est venu, il est catégorique. Félix Tshisekedi reste dans ses bottes. Mais au niveau externe, pourquoi il n'est pas apprécié? Félix Tshisekedi n'est pas apprécié parce que Félix Tshisekedi ne veut pas de l'infiltration. Et les schémas pour bloquer ces infiltrations, c'est le refus du brassage et le refus du mixage. Parce que quand nous disons tout le jour ici que notre armée est infiltrée, on doit savoir la source de cette infiltration. Le moment là pour arrêter Bonne, pour qu'ils en finissent, pour qu'ils démantèlent tous ces M23. Pourquoi ne l'ont-ils pas fait? Ils ont attendu maintenant pour arriver à soulever. Donc ça, ce ne sont que des prétextes. Ce sont des arguments superfétatoires qui ne tiennent pas, qui ne tiennent pas la route. Moi, je pense qu'il ne faudra pas que les gens puissent considérer que, même si on dit, parce que la négociation, en une phrase, je peux la définir comme étant, forcément concise et volontairement lapidaire, je dirais que c'est un jeu d'acteurs dans un contexte des rapports de force. Pour le moment, ils ont, pour modifier les rapports de force sur le terrain, ils cherchent chaque fois à arrêter et à poursuivre, n'est-ce pas, avec les combats, pour nous imposer de telle sorte que quand nous allons aller aux négociations, que nous puissions adhérer à ce que ça soit un peu, ces négociations soient un peu comme aboutissent à ce qu'on appelle un contrat d'adhésion, plutôt qu'un contrat de libre discussion. Et ils seront surpris parce que nous n'allons pas prendre la République démocratique du Congo de notre côté, nous n'allons pas prendre des vessies pour des lanternes. D'accord. Nous n'allons pas nous faire d'illusions. C'est une grande méprise si ces gens-là pensent que nous allons aller à ces négociations-là, nous livrer, qu'ils se trompent. Mon frère ici venait de vous parler. Vous êtes pour les négociations? Pour les négociations? Non, nous allons bien sûr parler avec ces... S'il y a des compatriotes parmi eux, nous n'allons pas les rejeter totalement. Nous pouvons faire en sorte qu'ils puissent réintégrer la vie sociale, comme notre ami a dit ici. Mais ils ne vont plus réintégrer la politique, réintégrer les institutions. Et ceux qui ont commis des exactions, qui ont infligé à nos compatriotes des traitements cruels et inhumains, doivent répondre aussi de leurs actes. C'est pourquoi nous disons, moi je plaide pour l'implémentation du rapport Mapping, comme l'avait dit justement le professeur Modeste Bahati. Il faudra que les rapports Mapping soient appliqués, de telle sorte que ceux qui ont commis des exactions puissent aussi au même moment répondre de leurs actes, et que ceux qui veulent réintégrer l'armée puissent, n'est-ce pas, réintégrer cette armée conformément à ce que les lois sur nos forces armées exigent, réclament. Toutes les questions que je voulais mettre Freddy Mamba, mais on est encore avec vous sur ce plateau. Voilà, c'est cela. Je vais vous repasser la parole. Monsieur Désiré Tshimbeko, il a la même interrogation. Les résolutions de Nairobi, il est mentionné également que le gouvernement de Kinshasa doit arrêter de cesser de soutenir les rebelles des FDLR rwandais. Pendant que nous ne reconnaissons pas ça, mais en même temps nous avons signé. Est-ce un aveu aussi? Est-ce un aveu? Au fait, le FDLR est une fiction rwandaise pour justifier son agression congolaise. Et ils ça, se servent de ça pour dire c'est un fantasme, ça n'existe pas nulle part parce qu'il n'y a aucun rapport international qui a démontré cela avec de preuves à l'appui, comme les cas du M23. Nous n'avons jamais participé à une négociation. Qu'on nous dise, comme le président Tshisekedi l'a dit dernièrement au niveau du Conseil de sécurité, la dernière attaque du FDLR au Rwanda remonte des camps. Et cette attaque-là a causé combien de victimes? Et qui sont-ils? On ne peut pas parler d'un groupe armé dont les actions ne sont pas visibles. Qu'on nous dise, il n'y a aucune organisation sous-régionale ou régionale aujourd'hui qui peut retracer les actions malveillantes du FDLR au Rwanda. Il n'existe pas. Il n'y a pas de groupe armé agresseur sans agression. Ici en RDC, nous vivons les agressions rwandaises à travers le M23, c'est pourquoi nous parlons du M23. Mais on ne peut pas parler du FDLR qui opère au Rwanda sans qu'il y ait de traces des actions que nous pouvons voir ici tous les jours en RDC. Donc il faut comprendre une chose. C'est l'argument
par lequel le Rwanda justifie sa présence militaire et sa criminalité en RDC. Malheureusement, il bénéficie d'une complaisance qui est inexplicable de la part de la communauté internationale. Et c'est cette complaisance-là que nous refutons. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas nous dire de continuer à négocier avec les groupes armés. Ce serait quelque part mettre la RDC dans un schéma de déstabilisation continue. Si aujourd'hui, on intègre les combattants du mouvement du 23 mars dans les institutions, après 3, 4, 5 jours, vous attendez d'autres dire que nous, on n'est pas d'accord avec ceux qui sont là-bas. Nous créons, nous devons savoir ce que nous voulons dans ce pays. C'est pourquoi Tshisekedi veut en finir cette question. Pas question de négociation, pas question d'intégration militaire. La décision qui est prise par le gouvernement aujourd'hui, c'est non seulement pour arrêter ces gens, mais aussi pour décourager d'autres groupes armés. Parce que tous ces jeunes-là qu'on recrute dans les groupes armés, c'est en contrepartie des promesses. On vous dit non, monsieur Dan, on vous prend ici, vous allez combattre ici, vous êtes colonel. Lorsque nous allons négocier, vous deviendrez colonel. C'est comme ça qu'ils viennent. Mais quand ils vont voir que cette histoire n'existe plus, l'armée congolaise est restée sur ses prises de position, vous redevenez citoyen normal, ils vont se décourager. Parce que même ces groupes armés bénéficient des luttes d'intérêts. Alors, ce que nous devons dire aujourd'hui, je salue la mobilisation de la population congolaise, de la jeunesse, qui a activement répondu à l'appel du chef de l'État. Malheureusement, ce qui s'est fait au Rwanda, par exemple, on prend des jeunes de force. En Ouganda aussi. Parce que nous oublions l'Ouganda qui participe aussi dans la criminalité de ce qui se passe dans notre pays. Notre pays est sous complot. C'est pour cette raison. Le politicien de la RDC... L'Ouganda fait partie des forces de l'EAC. Mais c'est pourquoi je suis dans ma logique. C'est quoi le schéma? Mais c'est ce que j'ai dit. C'est pourquoi je suis dans ma logique de demander au président de la République de ne pas considérer que la solution puisse venir de ces gens. Ces gens font partie du problème. Étant donné qu'ils sont problème en RDC, ils ne peuvent pas en même temps être problème et solution. La communauté internationale est problème en RDC. Le Rwanda agresse la RDC. Le Rwanda soutient le M23. Le M23 agresse la RDC. Et le Rwanda, lui, il est soutenu par la communauté internationale. Vous avez vu combien Paul Kagame bénéficie de l'amour à travers les dirigeants mondiaux. Ça veut dire que le Rwanda... Et quand vous regardez Dan, vous vous rendez compte que même ce qui est volé ici en RDC par le Rwanda, la population rwandaise n'en est pas bénéficiaire. Au fait, le Rwanda est utilisé pour agresser la RDC et il se partage des dividendes. Et c'est cela ce qui se passe. Le problème du Rwanda, c'est pas le Rwanda, mais c'est quelques individus qui dirigent ce petit pays. Ça ne se limite pas seulement à ces individus, ça s'élargit à d'autres nations d'outre-mer. Qui soutiennent le régime de Kagame. Vous allez voir qu'on ne va pas poser des questions de démocratie au Rwanda, on vient les poser ici en RDC. On ne va pas au Rwanda poser des questions d'élection, on vient les poser ici en RDC. Alors on connaît depuis quand Kagame est au pouvoir, qui est d'un peuple minime, le Tutsi, par rapport aux Hutus qui sont des grands peuples. On n'a jamais posé ces questions. Mais ici en RDC, on nous pose des questions du genre, le respect des petits peuples et tout ça. Il suffit de regarder pour comprendre. Ça ne vous demande pas beaucoup d'explications. Alors, aujourd'hui, c'est le peuple congolais qui doit être caution. Je termine par là. Nous devons être caution de l'avenir de notre pays. Cette caution se matérialise aujourd'hui par une adhésion à l'armée de la jeunesse, mais que le gouvernement de la République, comme il l'a fait à travers ce budget, puisse former ces jeunes. Au-delà de la formation, qu'on améliore les conditions de travail des militaires. Je salue les initiatives qui ont été prises par le chef de l'État parce que vous savez que le veuve militaire et les orphelins militaires touchaient ici 30 000 francs congolais. Aujourd'hui, ils sont à 350 000. La question des notifications, rendre cette armée forte pendant que... La question des notifications est une question qui frôle aussi de l'hypocrisie. C'est ce que j'ai dit. Le Conseil de sécurité a dernièrement livré un communiqué en disant qu'il va réexaminer. En fait... Les changements de position au niveau de la communauté internationale est tributaire des actions citoyennes qui ont été initiées ici en RDC. Ce n'est pas des négociations diplomatiques. C'est parce que quand le peuple se lève, même les puissants du monde ont peur. Et quand le président de la République a fait son discours, au niveau national ici, le peuple s'est mobilisé,
la communauté internationale, dans tous les espaces, même sur Twitter, vous avez vu des justifications des ambassadeurs. Et c'est comme ça que nous allons finir cette situation. Merci beaucoup, Désiré Tchimé. Je pense que j'ai commencé avec vous. Ouais. Je termine avec vous, Maître Fred. Quelles sont les recommandations à faire dans cette question? Quelles sont les recommandations à faire, par exemple, au niveau de la classe politique et au niveau du gouvernement national? J'aimerais dire, en revanche, si contrairement à mon frère qui a plus insisté sur, cette mobilisation au niveau de la nation qui a impacté sur le plan international, ajouter ceci, que le président de la République a utilisé une approche qui est un peu médiane. Il est entre la diplomatie, il est entre aussi l'usage de la force. Et ce n'est pas pour rien qu'il l'ait fait. Le président a dernièrement, dans son discours, lorsqu'il était en train de mobiliser la population, dit quelque chose de très important et à laquelle les gens n'ont pas fait attention. Le président a dit ceci, que la vraie solution viendra de nous-mêmes, de nous Congolais. Cette phrase-là, elle est profonde. Les gens n'ont pas fait attention à cela. Cette phrase-là, elle est viscérale. Bien sûr que nous savons que par les mécanismes de la sécurité collective, parce qu'il y a toujours dans les relations internationales, les gens parlent souvent du rapport de force, mais il y a aussi plutôt des conceptions là-bas. Je vous ai toujours parlé de la conception idéaliste qui est celle d'Emmanuel Kant qui parle de la sécurité collective. Il y a aussi la conception réaliste qui est celle de Thomas Hobbes et Machiavel qui parle du rapport de force généralement. Et les gens penchent plus sur côté rapport de force pour dire que ce qui compte beaucoup en relations internationales, c'est le rapport de force. Nous devons nous organiser en interne pour trouver des solutions. Mais ça ne veut pas dire que nous devons mettre de côté. Nous sommes dans une situation où nous devons aussi compter sur, quelque part, sur la sécurité collective pour davantage organiser notre armée. Parce que ces besoins-là est une nécessité. Cela est une nécessité absolue pour l'instant. C'est ce que les gens doivent comprendre. Donc, nous ne devons pas rejeter la diplomatie totalement. Nous devons aller avec les deux parce que aujourd'hui, l'appréhendabilité de la situation sécuritaire dans la partie orientale de notre pays n'est plus la même que dans les temps. Dans les temps, on faisait pratiquement semblant de ne pas savoir ce qui se passe là-bas. Si aujourd'hui, vous avez les départements américains qui peuvent se prononcer, même s'ils le font avec... ils le disent en filigrane. Bon, ils le disent un peu de façon voilée. Mais au moins, on a compris qu'ils ont compris le message, que la population des Congolaises est déterminée. Donc, en fait, l'endox ici, c'est que tous les Congolais sont déterminés à ne pas céder même un millimètre carré de notre territoire. Et ce n'est pas une élucubration fantasmagorique, parce que les gens peuvent croire, les Rwandais peuvent s'en moquer et se dire que non, voilà, nous sommes en train de gagner du terrain. Mais ils se trompent. Lorsque vous arrivez, vous gagnez un endroit et que les populations ne sont pas d'accord avec vous, vous ne serez pas dirigé. Ça, vous devez le savoir. Et les populations congolaises sont dans cette logique-là. Que quel que soit, quoi que vous fassiez, vous n'allez pas occuper même un seul centimètre de notre territoire. Vous pouvez utiliser les armes possibles. Mais sachez que si vous n'êtes pas avec la population, vous n'allez pas réussir dans ce que vous faites. Et c'est une leçon que nos frères doivent retenir. Nos frères du Rwanda, ils sont nos frères africains, même si c'est un mot qui gêne. Lorsque les gens entendent parler de frères, ils demeurent ad infinitum nos frères. Nous resterons toujours des frères. Mais ce que nous sommes en train de réclamer, c'est l'intégrité de notre territoire et notre cause, elle est noble. Nous nous battons pour une cause noble et Dieu même voit que nous sommes en train de nous battre pour une cause noble et va nous bénir pour que nous puissions arriver à atteindre cet objectif-là. Voilà, c'est tout. Alors, Daz, une petite minute. 30 secondes. Oui, 30 secondes. D'ailleurs, aujourd'hui même, il y a un membre influent du groupe du 23 mars qui s'est retiré de ce groupe-là et qui a créé un autre groupe armé. Il accuse ceux qui sont dans ce groupe de recevoir les ordres du Rwanda. Donc, vous comprenez que dans ce groupe, il y a des Rwandais, il y a des Congolais, mais il y a des Congolais qui ont compris que quelque part, ils ont été dupés. Mmh. Ils doivent prendre la part de la patrie. Même si nous n'encourageons pas le fait de tenir les armes, mais nous demandons au peuple de rester éveillé derrière les institutions. Mmh. C'est comme ça que nous allons vaincre l'ennemi. D'accord, je vous dis donc merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, monsieur Désiré Tchimbekoy. Merci beaucoup, maître Freddy Mwamba, d'avoir été avec nous. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons donc demain avec d'autres invités pour d'autres questions d'actualité. À très bientôt.
BioHerbs Cacao. C'est un cacao en poudre de première qualité. Avec de l'eau chaude ou du lait, profitez d'un tendre goût de cacao. Avec BioHerbs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes. Augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain, propre, bio, sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. En tant que médecin, je vous conseille de l'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gemsociety1@gmail.com. Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses, aux États-Unis, 1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, Boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Regeni, commune de Lemba, et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limites.